L'engouement pour les chapeaux ne se limite pas, heureusement, au béret. Partons à présent à Chazelles-sur-Lyon pour découvrir les fleurons de notre chapellerie. Là-bas, les mains les plus virtuoses travaillent le feutre de poils depuis des siècles. Un savoir-faire précieusement préservé dans l'atelier musée de la ville. Géraldine, vous avez rencontré justement les garants de ce patrimoine qui est tout à fait exceptionnel. Exceptionnel, c'est le bon adjectif, effectivement. Depuis le XVIe siècle, on fabrique là-bas, à Chazelles-sur-Lyon, des chapeaux, à mon grand étonnement, en feutre de poils de lapin. Et le rendu est merveilleux, vous allez le voir. Eh bien, ayons une pensée pour tous ces petits lapins. Et nous allons donc, sans plus attendre, vous retrouver, d'une certaine manière, à Chazelles-sur-Lyon, dans cette chapellerie-musée. Je me trouve à une trentaine de kilomètres de Saint-Étienne, dans le petit village de Chazelles-sur-Lyon. Et s'il y a bien un endroit où l'on sait fabriquer le chapeau en feutre de poils de lapin, c'est ici. Jadis, rien que dans cette petite bourgade, il y avait 2500 ouvriers qui travaillaient dans 28 usines dont on voit les traces, comme ici ou là. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une seule, mais son patrimoine est exceptionnel. Dans le musée, 4000 pièces sont conservées du Moyen-Âge à nos jours. Les plus somptueuses, 400 au total, y sont exposées, permettant ainsi de prendre conscience que le chapeau, au fil des époques, s'est imposé comme symbole d'élégance. Bonjour Eliane. Bonjour Géraldine. C'est ici, en arrivant dans le musée, qu'on mesure l'ampleur, en fait, du savoir-faire local. Oui, donc Chazelles a travaillé durant des siècles pour une seule activité, la fabrication de la cloche de feutre. Les premières traces écrites remontent au XVIe siècle. Et à partir du XIXe siècle, donc, on a même transformé cette cloche en chapeau. La spécificité, c'est le chapeau en feutre du poil de lapin. Pourquoi oui. Le poil de lapin? Alors, le feutre de poil de lapin est un feutre très serré. Donc, c'est un total isolant. Donc, il tient chaud aussi à la tête, qui est imperméable et surtout qui permet d'avoir des finitions à la surface qu'on ne pourrait pas avoir avec de la laine de mouton. Au XIXe siècle, le haut de forme et la capote sont tendance. Dans les années 1920, c'est la cloche qui est à la mode. Plus tard, vers 1950, les formes et les styles de chapeaux se multiplient. Pour visite privée, Eliane est allée puiser dans les réserves quelques pièces d'exception. Quelle surprise se cache dans cette boîte, Eliane. Je vais vous présenter essentiellement des modèles en feutre. Alors, je vais vous demander de m'aider. Donc, on va soulever le couvercle. Celui-ci, c'est une petite capote qu'on appelait Bibi parce qu'ils étaient portés donc très au-dessus de la tête, très petit, donc à la fin du 19e siècle. Et donc l'originalité, c'est qu'il est réalisé en lanière de feutre, donc plus ou moins tressée ou tissée. Ça, c'est du feutre du poil de lapin. C'est du feutre de poil de lapin, oui, bien sûr. C'est magnifique. Autre pièce d'exception, une coiffe de la belle époque. C'est l'époque des grands chapeaux et surtout ornés. Là, vous voyez, ce sont c'est un peu démesuré. Très démesuré. C'est des plumes d'autruche, jaspé, donc très très belle. Le chapeau était grand et plus il était orné de pièces relativement précieuses. Alors, les femmes étaient comme ça? Oui, fallait alors, le porter comment? Vous pouvez le porter comme ça, sauf que vous n'avez pas la coiffure. Pour le porter, parce qu'elles avaient des chignons. En gros, Eliane est en train de me dire que ça ne va pas du tout. si, bien sûr. Bien sûr, non, mais en fait, elles avaient les cheveux étaient ramassés donc à l'arrière avec un chignon, donc il était porté un peu plus. C'est vrai que, mais non, il vous très bien, à merveille. Difficilement. D'accord. Et pour la clientèle aisée, le nec plus ultra est alors de faire son chapeau sur mesure à l'aide d'un drôle d'outil, le conformateur. C'est un engin de torture. Voilà, c'est presque un engin de torture. Donc, je vais vous placer cette pièce. Je vais enfoncer un peu. Vous me dites si je vous fais mal. Non, ça va? J'ai un reportage à finir. Voilà. Alors, je vais prendre un petit carton que je vais placer sur le dessus. Donc, je rabaisse le petit couvercle. Je presse. Et là, donc, on va
Voilà, sortir. Tenez, je vous laisse. Ça, c'est ma forme de votre tête. De tête. Voilà, alors bien sûr, c'est très petit. C'est si petit que ça. C'est très petit, oui. Alors qu'on va reporter, en fait, ce carton, on va découper, on va le reporter ici. Et en déplaçant ces touches, on obtenait donc ici l'ovale de votre tête. Maintenant que l'on sait toute l'histoire du chapeau, on va s'intéresser à la fabrication. Dans les années 30, au moment de l'âge d'or du chapeau, à Chazelles-sur-Lyon, 5 millions de pièces sortent des ateliers chaque année. Pour réaliser la base d'un chapeau, appelé cloche, 5 étapes sont nécessaires. Ça commence avec la souffleuse, une machine qui nettoie le poil, qui passe ensuite dans la bâtisseuse, et c'est Yvan qui va nous détailler ce procédé au sein même du musée. Alors le poil de lapin, il arrive par en haut en fait, le tapis roulant est ici. On a ici un moule en métal avec plein de petits pics et normalement on a une très forte aspiration. Donc le poil, il tombe comme de la neige, l'ensemble tourne et on va avoir une épaisseur qui va se constituer. Et on sort notre cloche comme ceci et on la met sur le plateau ici. Une immense cloche, dites-moi. Oui, en fait, toutes les étapes suivantes vont consister à feutrer pour arriver à cette cloche. Et comment on va rétrécir cette partie-là? C'est ce qu'on appelle le feutrage. Le feutrage consiste d'abord à retirer les impuretés de la cloche, puis à la réduire à l'aide de la fouleuse. Cette machine presse le poil et le rétrécit sous l'effet de la vapeur. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec cette belle cloche bâtie? Eh bien, on va lui donner de la couleur. Bordeaux comme votre chapeau. Pourquoi pas? Vient donc la dernière et cinquième étape, la teinture. Ça peut être, vous voyez, comme ici, hein, sérigraphié, comme ce modèle-là. Puis on peut travailler au pochoir aussi, également. Aujourd'hui, les techniques sont moins artisanales. La chapellerie reçoit directement du Portugal des cloches toutes faites. Et à partir de là, l'aspect du feutre est retravaillé. C'est une affaire de doigté que maîtrise parfaitement Daniel. Dites-moi, Daniel, cette étape consiste en quoi? Cette étape consiste à enlever le poil superflu sur les cloches qui nous arrivent. Donc le poil est un peu bourru, un peu dans tous les sens, hein, pas rasé, mal rasé. Mal rasé. Voilà. Et on la va barbe de 3 jours, quoi. Voilà, exactement, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Et là, sinon, on va lui donner cet aspect ras, cet aspect lisse. Il est tout propre. Voilà. C'est bien rasé. Et là, ensuite, on en a un autre qui est mal rasé. C'est l'imitation fourrure. Et là, on va venir avec une machine qui a des pointes en acier, ressortir le poil de surface. D'accord. Et le dernier, hein, qu'on appelle le taupé, alors regardez, touché. Vous savez pourquoi on l'appelle taupé? Parce que ça ressemble à la peau d'une taupe. Exactement. C'est du velours. C'est du velours, ouais. On appelle ça le taupé imitation velours. Cela fait des années que vous travaillez ici. Oui, qu'est-ce qui vous plaît? Alors, ce qui me plaît le plus, eh bien sûr, c'est de voir naître un chapeau. C'est exceptionnel de dire qu'avec que du poil et sans aucune intervention autre que la main humaine, on va faire un chapeau. Daniel, je vous laisse à vos machines, merci. Merci à vous et au revoir. La cloche que façonne Daniel est certes d'une qualité de feutre exceptionnelle, mais elle n'est pas encore prête à orner nos têtes. La mise en forme, c'est Isabelle qui s'en occupe. Et pour pouvoir la travailler, elle fait bouillir la cloche quelques minutes. Donc là, c'est très très chaud. Et en fait, on vient tirer pour préparer la tête, ce qui va être la calotte du chapeau, donc la partie supérieure. À l'aide de modèles en bois. Alors voilà, la forme en bois, donc c'est ce qui va donner la forme au chapeau, bien sûr. Dans son atelier, Isabelle dispose d'une panoplie incroyable de formes en bois, de tailles et de styles différents. Ici, par exemple, un canotier. Là, un fedora. Un peu plus loin, un chapeau melon. Vous travaillez avec des poils de lapin, c'est une matière particulière. Est-ce que vous culpabilisez de travailler avec cette matière? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça me poserait un véritable problème si les lapins étaient tués en vue de faire des chapeaux. Mais heureusement, ça n'est absolument pas le cas. C'est parce qu'on mange des lapins que l'on récupère les peaux de lapin et donc les poils, et que l'on peut ensuite obtenir du feutre de poils de lapin. Notre chapelière modiste travaille selon les gestes ancestraux. Son chapeau presque terminé doit encore sécher pendant 24 heures pour qu'elle puisse ensuite l'ornementer. Car Isabelle confectionne 2 collections par an qui sont très prisées.
Et c'est dans son autre atelier qu'elle les conçoit. Au niveau des formes de chapeau, donc bien sûr, on est énormément sur le Fedora. Donc celui-ci, là, ce type de chapeau, hein, qui au départ est un chapeau masculin, mais les femmes se le sont approprié. La cloche aussi, énormément, qui provient des années 20 et qui revient vraiment à la mode. Et puis au niveau des couleurs, pour cette collection, je suis vraiment partie sur beaucoup de rose poudré et également du bleu marine, bien sûr, et puis le noir qui est complètement intemporel, bien sûr. Alors, par exemple, ce chapeau-là que j'ai devant moi, comment vous allez le finaliser ? Par exemple, ce qui m'intéressait sur ce Fedora, donc justement, c'est de jouer avec le petit côté masculin et d'y mettre quelques plumes. Et avec ce gris ardoise, c'est très léger, très aérien. Oui. Et ça féminise vraiment le chapeau. C'est super ça. Voilà. Pour acquérir ce savoir-faire, Isabelle a été formée au sein même de la chapellerie. En voyant toutes ces jeunes femmes, vous vous dites, ça y est, la relève est assurée, c'est rassurant? Oui, c'est rassurant, parce que c'est vrai qu'il y a eu un déclin du chapeau. Et aujourd'hui, par contre, ça ne nous inquiète plus du tout, parce que les jeunes portent énormément le chapeau. Donc c'est assez fabuleux de voir que le métier ne va absolument pas mourir. Des chapeaux aussi merveilleux ne peuvent nous donner qu'une seule envie, continuer à les porter. Ils font tous vraiment rêver, tous ces chapeaux. Lequel, c'est celui-là que vous avez sur la tête? Exactement. Le Fedora masculin. Fedora masculin, voilà. Et vous, Léa, lequel vous faisait le plus rêver? Je trouve que celui de Géraldine est très beau et je trouve que ça se porte très bien. Mais je dois dire que celui en plume d'autruche, même si je ne le porterai pas, est assez extraordinaire. Oui. C'est vraiment c'est une œuvre d'art presque. Et c'est surtout, j'ai été étonnée par la légèreté des chapeaux. Surtout celui de la Belle Époque que j'ai pu essayer lors du reportage. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la tête, on oublie complètement. Mais on se demande toujours, parce que c'est fascinant de voir la fabrication du chapeau en feutre de poils de lapin. Mais comment on l'entretient, Géraldine ? C'est très simple. Le chapeau que je porte sur la tête, je peux le garder toute ma vie. Il est imperméable. Si jamais je prends la pluie, il suffit de le rentrer chez moi. Hop, je mets du papier de soie à l'intérieur. Oui. Je le laisse sécher pendant 24 heures, pas près d'un radiateur. Et ensuite, j'enlève le papier de soie et vous pouvez le remettre sur votre tête dès demain. On peut passer un petit coup de brosse, une brosse en crin, en fait. Voilà. Alors, vous êtes, Yvan Perton, vous êtes directeur adjoint de la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon depuis 12 ans, n'est-ce pas? Mais la création de cet atelier-musée remonte à 1983. C'est juste au moment où la chapellerie traverse une des crises les plus terribles de son histoire. Eh bien, elle ne s'en remettra pas. Ah non. C'est le coup de couteau derrière. Et oui, parce que donc les... Quand même 2500 ouvriers, la ville vivait au rythme du chapeau, en fait. C'est ce qu'on appelle la mono-industrie, quoi. Donc, quand ça s'écroule, c'est pas la tête qui tombe, c'est véritablement le socle, quoi. Donc, la statue, elle tombe. En 76, tout ne ferme pas, il en reste une. C'est Écuyer Thomas qui a fermé en 97, mais il reste quoi, 20-30 salariés maximum. Donc, il reste pas grand-chose, et d'où le musée, en fait. Et c'est là on passe de l'usine ou de la fabrication... Un atelier musée. Un atelier donc musée. On continue à en fabriquer, mais c'est anecdotique. Alors oui, mais nous, dans notre philosophie, c'est de conserver les gestes en fabriquant. On fait environ 500 pièces par an. Et ben voilà. L'idée, c'est de conserver le savoir-faire et on vend à la boutique. Vous travaillez sur les anciennes usines Fléchet, c'est-à-dire sur les fournisseurs de toutes les grandes maisons de chapellerie française. Oui, parce qu'il faut s'imaginer Fléchet au même niveau que Borsalino. Oui. Alors Borsalino est resté dans l'imagerie... À cause d'un film. À cause d'un film, et puis c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé avec le cinéma, donc voilà, c'est resté. Pourquoi est-ce que c'est cette région qui est le berceau de la chapellerie en France? Ben là, c'est historique, en fait. Chazelles, il y a eu une commanderie au Moyen-Âge. C'est à cause des lapins? Non, pas non. Non, non. Et en fait, c'est le Moyen-Âge, il y avait un lien avec l'Orient par cette commanderie. Moyen-Orient, ils ont ramené la technique par ce biais-là, et c'est positionné à Chazelles. Chazelles n'était pas très loin de Lyon, et voilà. Lyon aussi... Le donneur d'ordre était lyonnais, mais voilà. Comme beaucoup dans la région, tout se passait beaucoup à Lyon. L'industrie textile, évidemment, avec les soyeux lyonnais, voilà. On était au cœur du métier. Mais est-ce que vous pensez que ça va revenir? Alors nous, on est chevillés au corps. Hein. Nous, on pense vous que y oui, croyez. On y croit, mais alors différemment, bien sûr. Autrefois,
Moi, je sais, ma grand-mère ne sortait jamais sans chapeau sur la tête. Voilà, mais c'était les codes ne sortaient pas. On appelait d'ailleurs. On dit qu'une femme sortait en cheveux. En cheveux. Oui. C'est-à-dire, c'était vraiment le comble de. Là, vous aurez jeté des pierres, vous voyez. Mais c'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est terminé. Les années 60, il y a eu un basculement. Oui. La libération de la femme, voilà. Oui, puis oui. Quand vous a libéré, vous avez arrêté de porter des chapeaux. Tant mieux pour vous, mais dommage pour la chapellerie française. C'est vrai que les codes, c'était un savoir-vivre. C'était un élément de savoir-vivre. Le chapeau, c'était un des éléments. Et maintenant, on n'est plus sur du savoir-être. Voilà, on l'identifie un petit peu comme ça, nous. Très bien.